la solution est dans la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu et la malédiction, l'invalidité du darwinisme, que c'est une philosophie d'imposteur, que c'est une ruse, il faut l'expliquer avec les preuves scientifiques et que la structure de la protéine soit expliquée, que l'État l'explique et qu'on explique que la protéine ne peut pas venir par hasard. Ceci est la solution. Les mitochondries, d'un point de vue technique, le fait qu'ils apparaissent et donc par hasard, c'est impossible. Il faut déclarer cela. Et tant que ceci ne sera pas fait, donc cela continuera dans toute la terre. La catastrophe continue. Partout, tout le monde se tue. Et dans le monde islamique, tous les jours, des dizaines de milliers, des milliers de personnes tombent martyrs. Les enfants, les femmes tombent martyrs. Et les crimes donc continuent à grand flot. Et c'est une catastrophe apportée par le darwinisme. Il faut trouver une solution à cela. Au Moyen-Orient, pourquoi donc c'est des centaines de personnes, des milliers de personnes, et ce n'est pas pris dans les registres officiels? Est-ce que c'est à cause du darwinisme? Et il ne sait pas cela. Moi et mon frère en Syrie, de la Syrie, le darwinisme, l'éducation darwinisme, donc c'est l'explication la plus développée en Irak, donc il expliquait de la manière la plus développée en Arabie Saoudite. Donc le darwinisme est expliqué jour et nuit, ce sont des pays religieux, en Iran également. Et l'Iran est un pays communiste normal. Et l'Iran n'a rien à voir avec l'islam, la charia. Ils ont dupé les musulmans. Et donc en disant on vous a apporté la charia, ils ont apporté le communisme. L'Iran donc est darwiniste, matérialiste. Et tout le Moyen-Orient, l'Égypte, tous sont darwinistes. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Nous, on essaye de donner une conférence au Maroc et les élèves, les étudiants donc se soulèvent. Ils disent, où est-ce que vous sortez cela? Ils ont déliré. Mais en ce moment, au Maroc, le darwinisme, on l'a dévasté. En Tunisie, en Algérie, on l'a dévasté. En France, et les étudiants donc marocains, algériens, tunisiens sont soulevés quand on a fait une conférence en France. Et également, donc maintenant, ils écoutent comme des agneaux, donc comme en Turquie. Et il y a une grande ruse. Et ils ont dévasté le monde islamique avec le darwinisme, tout le monde sait là. Et dans la période du sultan Abdulhamid, ils ont dévasté l'Empire ottoman avec le darwinisme. Et vous vous expliquez que les États-Unis et l'Europe donc considèrent sans valeur les personnes du Moyen-Orient. Et vous avez fait une déclaration quand de personnes regardent le scandale. Et pour cette raison, la personne, donc pour lui, les êtres humains, ce sont les Américains et les autres ne sont pas des êtres humains. Il y a un tel système d'oppression. Est-ce que tu vois, donc, s'ils sont donc basanés ici, ils ne connaissent pas l'anglais, ils considèrent que ce sont des animaux. Regarde l'échelle de la scandale. Et ensuite, donc, les soldats américains donc, se suicident constamment. Mon frère est dans tous les mouvements terroristes, dans la violence, ils sont tous darwinistes. Par exemple, les talibans, l'État islamique, tous les jeunes ont été éduqués de manière darwiniste, tous. Et donc, le darwinisme est matériel, tout le monde islamique est darwiniste. Et donc, la Turquie fait une éducation darwiniste, ne le voyez pas, il dit quel est le rapport. Mais toi, tu nies Dieu, et tu dis qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, et lui, donc, il ne craint pas Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples. Donc, un politique connu, donc, il dit, je faisais la prière jusqu'au lycée. Un jour, donc, au lycée, j'ai fait face à une expérimentation de darwinisme. J'ai perdu ma foi, mais donc, il y a plein d'exemples comme cela. Et tous les jeunes donc au lycée, à l'université, perdent leur foi, même Staline, où il s'est constamment dans le lycée. Et demande donc ce qui attaque, est-ce qu'il... Oui, bien sûr, donc oui. Quelle est la base donc du système qui ne croit pas en Dieu? Dans la communauté, quel est le système qui enlève la crainte pour Dieu? C'est le darwinisme. Et la personne est éduquée comme un animal. Et il n'a pas été éduqué sur la crainte de Dieu, sur l'amour pour Dieu. Et au primaire, au collège, au lycée, est-ce qu'ils ne prennent pas le darwinisme et ne disent pas donc à tous ses amis, la radio, la télévision ne parlent-elles pas tous donc du darwinisme?